Salut tout le monde, je voulais vous donner aujourd'hui suite à l'interrogation d'un youtubeur pour calculer le bobinage d'un transformateur 50 Hz. Une version simplifiée pour aller jusqu'à un transfo de 100 VA, donc 100 volts ampères. Le calcul de la section du noyau, donc c'est-à-dire la surface apparente du noyau, donc c'est longueur multipliée par largeur multipliée par 0,9, qui nous donne la surface en centimètres carrés. Donc ceci et le 0,9, c'est le foisonnement, c'est-à-dire c'est l'écart qu'il peut y avoir entre le noyau efficace et la carcasse donc du mandrin qui crée une perte par son épaisseur. Donc on multiplie par 0,9 et on a donc la surface en centimètres carrés. Donc cette surface va être appliquée ici. Donc pour 4 cm carrés, admettons, ici le nombre de spires par volt sera de 8,5. Donc ainsi de suite jusqu'à 20 cm carrés, qui nous donnera 1,7 tours par volt. Bien calculer tout ça. Donc pour le secondaire, il faut tenir compte de 0,7 de chute de tension. C'est-à-dire ce que vous allez calculer va vous donner une tension à vide. Après le transfo, une fois en charge, et peut-être pas tout à fait ce que vous espériez. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire U secondaire multiplié par le nombre de tours par volt fois, donc multiplié à nouveau, par 107 divisé par 100. Et ceci vous donnera le nombre de spires efficaces par volt pour le secondaire. C'est-à-dire donc c'est ce qui compense la perte dans le secondaire. Donc voilà la solution simple pour trouver ce calcul. Je vous laisse prendre note là-dessus, si vous voulez faire un arrêt sur image. Voilà, maintenant on va passer de l'autre côté. Donc ici, par rapport à la section du noyau, donc on va déterminer la puissance du transformateur. Donc ici, tout est noté. Donc on peut aller jusque avec un transfo de 20 cm carrés jusqu'à 100 VA. Pour un petit transfo d'isolement, pour réparer des postes radio, ça suffit amplement. Après, donc, pour déterminer en fonction de la section du fil, donc ici, la section, donc le diamètre du fil. Donc ici il est donné les diamètres que vous allez prendre soit au palmaire, soit au pied à coulisse, le plus précis le palmaire, si vous avez de petites sections. Donc ici le diamètre en millimètres, l'intensité en ampères que peut vous fournir donc votre bobinage jusqu'à ici. Donc pour un fil de 2,5 mm de diamètre, on arrive jusqu'à 12 ampères 3. Quand même, c'est déjà pas mal. Mais bon, n'espérez pas tirer 12 ampères avec un transfo de 100 VA en 220-220. Il faut toujours penser à la puissance. Hein. Voilà, ça sera pour des basses tensions, pour des 12 volts ou des choses comme ça. Voilà, donc ici je vous ai mis un transfo. Donc ce transfo, on n'a pas le noyau, hein, chose pas bien compliquée. On peut à la limite voir
ici la distance qu'il y a entre les deux parties. Donc il suffit de prendre un pied à coulisse, de regarder la distance. Peut-être que ce côté, on voit mieux, je ne me rappelle plus, j'ai vu un côté où on voyait mieux. Non, c'était bien de ce côté. Ça, c'est un transfo, donc que moi j'avais refait parce qu'il était en court-circuit partiel. Si ce côté on voit mieux. Donc ici, je vais prendre la distance de la tôle interne. On est à donc 35 mm. 35 mm. Ici, la tôle, donc à mesurer comme ça, on est à 45, 49 mm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 35, 3,5 cm multiplié par, donc on a dit 4,4, donc et multiplié par ici 0,9, et ça va nous donner la section en centimètres carrés. Donc ce qui fait, on a dit 3, 5 multiplié par 4,4 ça fait 15,4 multiplié par 0,9 ça nous donne 13,86. Donc 13,86 ça fait 2,45 spires par volt. Voilà. Donc ou tour par volt si vous préférez. Voilà, donc pour le petit truc des transfos, il y a des gens qui m'ont dit que pour la vidéo précédente, il fallait changer le transfo plutôt que de changer les condensateurs. On ne peut pas toujours changer un transfo comme il était prévu dans le poste, qui est un auto-transformateur par un transformateur. L'encombrement du bobinage n'est pas du tout le même. Pour ceci, donc, je vais vous faire voir que quand j'ai commencé, j'avais déjà commencé un petit peu avant. Pour les dépannages télévision, donc on dépannait ce genre de poste qui était commun à toutes les marques. Donc ici, on peut constater que le secteur va à la masse du châssis. Hein, là, c'est pareil aussi, à l'identique. Il était noté fortement que dans les ateliers, il devait y avoir impérativement un établi en bois avec au sol du Balatom pour isoler au cas où il y en a qui auraient des chaussures, des claquettes et que les orteils arriveraient à toucher par terre. Donc il y avait du Balatom pour isoler du sol. Il y avait l'oscilloscope, c'était un unitron qui avait uniquement un fil méplat avec deux broches, donc il n'était pas relié à la terre. Et il était interdit à l'époque de mettre la terre à quoi que ce soit, à n'importe quel appareil de mesure qui l'en était. Donc l'oscilloscope, la terre et à la masse étaient interdites, donc l'antenne, la mise à la terre était interdite aussi. Voilà, donc les risques, on les éliminait comme ça, et la formation était faite comme ça pour le dépannage. Ces postes-là, il y en a eu sous toutes les marques, ça c'était de la marque Schneider. Il y a eu après des téléviseurs couleur à l'identique, c'était pareil pour Philips, c'était pareil pour Thomson, un peu moins, ils avaient des transfos qui isolaient du secteur.
qu'est-ce qu'il y avait sous Grundig, tout un tas de marques étaient donc faites comme ça. De souvenirs des dépanneurs, moi j'ai pas connu dans mon. Pourtant j'ai côtoyé beaucoup de dépanneurs parce que j'étais dans une agence régionale de dépannage et d'information pour le dépannage. Je n'ai pas connu dans mon entourage aucun décès ni aucune électrocution. Alors la meilleure solution, bon déjà c'est de nos jours on trouve des transfos d'isolement, on peut le faire, on peut en monter, mais il faut savoir une chose, que quand on prend 1000 précautions, on évite les accidents. C'est vrai que la plupart des accidents à l'époque étaient plus des asphyxies par le gaz ou par le charbon, hein, les fameux chauffe-eau à gaz ou les poêles à charbon. Mais dans la profession de technicien de maintenance radio-télé, moi j'ai pas eu connaissance d'électrocution. J'ai eu connaissance des condensateurs électrochimiques qui explosaient, il y avait un œil au beurre noir de temps en temps, des lunettes cassées, mais c'est tout ce que j'ai eu à ma connaissance. Hein, autrement, non, pas de souvenir. Donc, comme je vous disais, ce système, comme le poste radio a existé depuis toujours, c'est à vous de faire très attention et d'utiliser. De nos jours, un transfo d'isolement, c'est bien plus simple et ça vous évitera les accidents. Nous, notre formation était de faire attention. On prenait souvent des châtaignes parce que, il y avait une main qui, c'était toujours qu'une main, hein, qui se promenait, qui touchait, qui s'approchait du transfo de balayage tram. Il y avait. On posait juste le dos de la main dessus, ça faisait mal, ça n'a jamais fait des gens qui sont restés collés après quoi que ce soit. Pour la petite explication des accidents, mais faites toujours attention à vous. Vous n'avez pas cette formation-là, et c'est vrai qu'une erreur d'inattention aussi peut être fatale. Voilà, donc pour les risques électriques, hein, dans tout ce qui était liaison antenne, il y avait un condensateur bypass sur la partie antenne, donc qui évitait que le secteur remonte sur l'antenne. Voilà, donc la partie masse était isolée de l'antenne, du fil blindé, et la partie active du brin central était aussi isolée par un gros condensateur céramique de nano et le fil de masse par un bypass. Voilà, donc ceci a toujours existé, à vous de faire très attention. Bon, je ne vous dis pas que ça existe toujours, mais de nos jours, on dépanne des alimentations à découpage qui sont reliées aussi au réseau. Donc, précaution aussi, de faire attention quand on n'est pas professionnel dans ce métier, il y a des risques d'électrocution. Savoir que la lime à découpage, il y a le réseau qui rentre dessus, on redresse 300 volts, et puis voilà, et si on met un oscilloscope qui relie à la Terre là-dessus, ou qu'on touche, qu'on a la sonde de l'oscilloscope d'un côté, on va toucher le négatif de l'alimentation, il y a un pont redresseur, vous allez vous retrouver avec 180 volts entre les mains, quoi, et puis voilà, le risque c'est ça, puisqu'il y a un pont redresseur, hein. Alors faites attention quand même, vous aussi. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo pour ce petit intermède de prise de risque. Allez, salut.